Oui, bonjour. Mon nom est Mike Romero et on est là pour un autre quickie d'une compagnie qu'on n'a pas encore unboxée sur la chaîne. Pas ma première commande chez eux, mais la première fois que je me suis dit, je vais l'ouvrir devant vous. Et c'est une commande que j'ai passée chez une compagnie de t-shirt. On a déjà vu T-Fury, T-Turtles, Shirt Punch évidemment, mais jamais Redbubble. Voilà. Des designs souvent uniques vu qu'ils font affaire avec différents artistes. N'importe qui peut en fait soumettre leur propre design. Ils vont recevoir une redevance sur chaque vente. Mais on arrive à trouver des designs qu'on trouverait nulle part ailleurs. Et quelquefois même des t-shirts exclusifs à certaines boxes qui se retrouvent là-dessus. Donc ça vaut le détour. Ne tardons plus, on va procéder à l'unboxing. That this is your new thing, Redbubble. Voilà, pour ceux que ça intéresse, redbubble.com. Se font souvent des 20%, 10%. Donc ça devient intéressant de commander à ces moments-là. Et souvent en groupe pour pouvoir baisser le shipping parce qu'il est quand même un peu dispendieux. Mais comme ils disent, designed by an independent artist and printed just for you. Donc dessiné par un artiste indépendant et imprimé juste pour vous. Voilà, il ne les imprime pas à batch. Mais le shipping est quand même assez rapide, donc très efficace de ce côté-là. Je touche le t-shirt, c'est magnifique, de très bonne qualité, très doux. Et c'est mon fandom préféré, les Tortues Ninja, bien entendu, tel qu'on peut le voir dans le premier film. Oh mon dieu, c'est même pas du vinyle, c'est imprimé directement sur le t-shirt. J'adore. Mais bon, je veux savoir, vous, d'où commandez-vous vos t-shirts en ligne si vous en commandez? Et si vous en commandez pas, qu'est-ce qui vous retient en réalité? Dis-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Il y a des sites que vous voulez que j'essaye de t-shirts en ligne? Je vous mets le lien dans les commentaires. J'ai rejeté un coup d'œil et s'il y a un design qui m'intéresse, on l'essayera. Je vous partagerai mon expérience avec vous lors d'un quickie. Je vous cacherai pas que les commandes qu'on passe chez Redbubble, on les fait en groupe. C'est ça, j'attends vos commentaires donc. Et encore une fois, ben, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi, ben, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine!